Bonsoir et bienvenue à ce débat en ligne autour du livre de Olivan Artois, La société du déclassement, la contestation à l'ère de la modernité régressive. Mon nom est Jens Althoff, je dirige le bureau en France de la Fondation Heinrich Böll et je suis vraiment ravi qu'on ait la possibilité de cet échange entre Olivan Artois et aussi Anne-Lorraine Bujon de Lestang. Ce qui est, je crois, vraiment une très, très grande possibilité et chance de parler d'un sujet extrêmement important en ce moment. C'est la question de l'inégalité et surtout le problème de la croissance de l'inégalité dans des pays, là, surtout c'est aussi sur l'Allemagne, mais c'est au-delà, c'est un phénomène qu'on a en Europe et pas seulement en Europe. Et c'est un phénomène qui est de plus en plus en train de menacer aussi le fondement de la démocratie. Car il me semble que justement avoir quand même une place de travail digne et bien sécurisée et sûre, c'est quand même une condition vraiment pour participer pleinement à une démocratie, pour s'engager. Sinon, on n'est que tout le temps occupé par vraiment se battre pour son existence économique. En plus, il me semble que c'est maintenant l'ère, et c'est une question sur laquelle nous, la Fondation Heinrich Böll, travaille beaucoup, sur la transition écologique, sur quand même l'objectif de transformer l'Europe dans une Europe carbone neutre à l'horizon de au plus tard 2050. C'est un très grand défi. Et il me semble que c'est très, très important que ces transitions écologiques doivent en même temps vraiment ouvrir des possibilités pour réduire cette inégalité. Et avoir justement une dimension vraiment sociale, ce qui est quand même l'idée de base du Pacte vert européen, European Green Deal. On va voir à quel point ça va vraiment arriver. Il me semble que c'est extrêmement important. Donc moi, tout d'abord, je vais vraiment remercier Olivan Artois d'être parmi nous ce soir, et aussi Anne-Lorraine Bujon de Lestang. Et vraiment, merci beaucoup à Barbara Honrath pour cette belle coopération avec l'Institut Goethe et aussi à la Fondation Maison des Sciences de l'Homme et aussi la Revue d'Esprit pour l'organisation de cette soirée et aussi à ma collègue Madeleine de Solz qui a assuré l'organisation et aussi qui va assurer la gestion technique de cette soirée, ce qui est très important. Justement, je voulais dire quelques mots sur la question technique avec cette introduction. Vous pouvez aussi trouver ces informations dans le chat. C'est assez important parce que ça, c'est un échange en français et en allemand avec une traduction simultanée. Donc, c'est très important que vous allez choisir un canal. Vous voyez bien en bas la possibilité de choisir ou français ou allemand. Et il faut bien rester dans ce canal. Et il faut aussi couper le son original. Là, c'est très, très important parce que sinon, ça va poser des problèmes. Si vous voulez changer entre les langues, il faut bien changer les canaux, mais il faut toujours, c'est important de faire attention de couper le son original. Et maintenant, je suis vraiment très, très, très intéressé de suivre ce débat de ce soir, mais avant, j'aimerais donner quand même le mot à Barbara Honrath, la directrice de l'Institut Goethe. Barbara, c'est à toi. Merci, vielen Dank, Jens. Bonsoir et bienvenue à cette rencontre virtuelle avec Olivan Artwey, qui, comme vous l'avez déjà entendu, aura un échange avec Anne-Lorraine Bujon de Lestang sur son livre La société du déclassement, la contestation à l'ère de la modernité régressive. En Allemagne, ce livre a paru en 2016 sous le titre Die Abstiegsgesellschaft über das Aufbegehren in der régressiven Moderne. La traduction française, établie par Christophe Lucchese, a été publiée en novembre 2020 dans la collection Bibliothèque allemande, c'est-à-dire dans le cadre du programme franco-allemand de traduction qui s'emploie depuis 1984 à travers une coopération entre la Fondation Maison des Sciences de l'Homme et le Goethe-Institut de Paris, ainsi que l'Office allemand des échanges universitaires, le Centre Georg Simmel et l'EHESS. Cette collection réunit des publications françaises sur des objets de recherche franco-allemands qui témoignent des évolutions dans des secteurs clés des sciences humaines et sociales en Allemagne. Et elle publie aussi des traductions françaises de textes novateurs allemands comme des classiques. Cette rencontre
Jens Althoff l'a déjà mentionné, fait partie du cycle Le Livre Politique qui est organisé par le Goethe-Institut en coopération avec la Fondation Heinrich Böll et qui est consacré à des livres récemment publiés par des auteurs allemands qui traitent d'un sujet politique ou social d'actualité. J'aimerais encore dire quelques mots sur nos intervenants ce soir et je commence avec Oliver Nachtwey. Le sociologue allemand, Oliver Nachtwey, donc, est professeur d'analyse de la structure sociale à l'Université de Bâle depuis 2017 et chercheur associé à l'Institut de recherche sociale à Francfort. Auparavant, il a travaillé à l'Université Friedrich Schiller d'Iéna, à l'Université de Trèves et à l'Université technique de Darmstadt. Il consacre ses recherches notamment aux enjeux du travail, à l'inégalité, aux mouvements sociaux et à la question de la démocratie. Dans ses recherches récentes, il s'intéresse en particulier à l'impact social de la numérisation. Oliver Nachtwey a non seulement publié des livres scientifiques, mais il écrit aussi régulièrement pour des quotidiens, des hebdomadaires et d'autres sites d'information. Son essai sur la société du déclassement a été récompensé par plusieurs prix et a aussi été publié dans une traduction anglaise en 2018. Anne-Lorraine Bujan de l'Estang est directrice de la rédaction de la revue Esprit depuis 2016. Ancienne élève de l'École normale supérieure, agrégée d'anglais, elle a étudié puis enseigné la littérature américaine avant de se spécialiser dans l'animation du débat d'idées. Elle est également chercheure associée à l'Institut français des relations internationales. J'aimerais remercier tous nos partenaires qui ont contribué à l'organisation et à la préparation de cette soirée. Tout d'abord, la Fondation Heinrich Böll, mais aussi Bettina Zundt, qui est responsable justement du programme de traduction franco-allemand auprès des éditions de la Maison des sciences de l'homme et la revue Esprit, qui est dirigée, comme vous l'avez entendu, par notre modératrice Anne-Lorraine Bujan. Je vous souhaite déjà une excellente rencontre et avec ceci, je passe la parole à Anne-Lorraine Bujan. Et voilà. Bonsoir à tous. Merci beaucoup de ces introductions. Merci à Monsieur Althoff, à Madame Honrath, à vos institutions respectives, la Fondation Heinrich Böll et l'Institut Goethe, qui organisent ces rencontres du livre politique. C'est la deuxième fois qu'il m'est donné d'interroger un auteur allemand pour cette série de rencontres sur le livre politique. Et j'en suis particulièrement heureuse, puisque cela m'a permis à chaque fois de découvrir des ouvrages tout à fait riches et stimulants. Notre revue Esprit, évidemment, a à cœur de faire vivre le débat d'idées entre intellectuels européens et donc je crois que c'est une occasion de ce type que nous avons ce soir. J'en suis d'autant plus heureuse que lorsqu'on consulte la bibliographie importante de ce livre, La société du déclassement, on y rencontre un certain nombre d'auteurs français, ce qui est toujours bien pour notre fierté nationale, mais en particulier des auteurs qui ont beaucoup compté pour cette revue sur la question sociale. Et je pense en particulier à Robert Castel, que vous avez beaucoup lu, que vous citez abondamment et qui a été vraiment la référence de la revue pendant un certain nombre d'années sur la question sociale. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet de ce livre avec M. Nachtwey, je voudrais encore remercier les éditions de la Maison des sciences de l'homme parce que ce livre que je vous montre est un très joli objet, vraiment, il est très bien édité.
Le papier est joli, la couverture est jolie, il est bien mis en page, il est très agréable à lire. Et je tiens aussi à signaler la qualité de la traduction. Mon anglais et mon allemand ne m'auraient vraiment pas suffi pour apprécier, je crois, l'argumentation précise et exigeante de M. Nartwey. Mais grâce au travail de Christophe Lucchese, c'est vraiment... extrêmement agréable à lire pour un locuteur français, particulièrement agréable à lire. Et donc, merci pour ce très, non seulement très intéressant, mais très joli livre. Alors, je vous propose d'entrer sans attendre dans le vif du sujet. Votre livre, on l'a dit, s'intitule « La société du déclassement, la contestation à l'ère de la modernité régressive ». Et on entend tout de suite dans ce titre qu'il y a déjà au moins trois concepts conséquents à essayer de comprendre. L'idée que nous vivons dans une société du déclassement, donc une société où la structure de classe compte, où possiblement la lutte des classes compte encore, mais peut-être pas comme l'entendait Karl Marx. Vous proposez dans un des chapitres de ce livre de relire Karl Marx, corrigé par Max Weber, et d'aller peut-être encore un peu plus loin. Donc il y a cette notion de déclassement qui, je crois, est très importante dans le livre. Il y a aussi la notion de contestation, et vous avez un chapitre où vous évoquez une série de révoltes contre le déclassement, donc des révoltes qui ont eu lieu en Allemagne, mais aussi des révoltes qui ont eu lieu aux États-Unis, en Espagne, dans d'autres pays d'Europe. Donc il y a aussi cette question de la contestation aujourd'hui et des nouvelles formes que prennent la contestation. Et il y a enfin cette notion de modernité régressive. Alors, sur ces trois concepts importants, votre ouvrage est ambitieux, mais il est aussi, je le dis tout de suite, très clair et très didactique. On y apprend beaucoup de choses et on suit votre thèse pas à pas. Elle est très convaincante. On aimerait bien d'ailleurs ne pas être aussi facilement convaincu, parce que le tableau que vous faites de notre modernité n'est certes pas réjouissant, mais il semble d'une grande lucidité. Alors, cette réflexion sur les structures sociales contemporaines, vous la construisez à partir d'exemples allemands, je l'ai dit, mais aussi d'autres exemples européens. Mais je crois que pour nous, Français, c'est particulièrement intéressant de vous entendre, vous, Allemands, parler de ces nouvelles structures sociales, sachant que, évidemment, pour les Français, l'Allemagne a été donnée en exemple pendant un très grand nombre d'années, et en particulier sur les questions de libéralisation du travail. On a bien vu lors d'une série de débats qu'on a eu en France récemment sur la loi travail à deux reprises. On a eu donc des propositions de réforme du marché du travail et du droit du travail en France, suivies de grands mouvements de contestation. Et dans tous ces débats sur la loi travail, la référence, c'était toujours l'Allemagne. La France était en retard parce qu'elle n'avait pas fait les réformes, qu'a fait le Royaume-Uni de Tony Blair, pas fait les réformes qu'a fait l'Allemagne sous Gerhard Schröder avec le fameux train de loi Hartz. Et donc, on nous disait toujours, nous, il faut faire aussi bien que les Allemands avec les lois Hartz. Et c'était un objet de contestation et de débat assez vif chez nous. Alors, je crois que dans votre livre, vous faites un tableau des effets des lois Hartz qui est pour le moins nuancé. Et c'est un peu ces lois qui, pour vous, auraient accéléré l'entrée de l'Allemagne dans cette ère de modernité régressive que vous décrivez. Donc, j'aimerais bien commencer, si vous le voulez bien, par ce concept important, la modernité régressive. Je crois que vous l'appelez comme ça par opposition à la modernité sociale qu'on a connue jusque dans les années 70, avec un point culminant peut-être en 68. On pourra revenir sur cette évolution. Mais vous appelez aussi cette modernité régressive par comparaison ou par contraste avec ce que Ulrich Beck avait nommé la modernité réflexive. Alors, si on commence par cette modernité régressive,
Comment est-ce que vous pourriez la définir pour nous en faire une photo? On pourra revenir après sur l'évolution. Quelles sont finalement les caractéristiques principales qui font que notre modernité est régressive, selon vous, Monsieur Nartweil? Oui. Tout simplement, merci infiniment tout d'abord pour vos mots introductifs et pour votre invitation. Je suis extrêmement heureux. Et vous avez résumé en fait brillamment les principales parties de mon livre, bon, La moderne régressive. Donc ça, c'est le concept clé théorique en fait. Et donc là, on va rentrer dans le vif de l'analyse théorique. Ulrich Beck a écrit son œuvre 86, qui était donc paru en fait, qui est paru juste avant la catastrophe de Tchernobyl. Et donc Beck avait donné le titre de Société de risque à son livre Risikogesellschaft. Et où il dit que l'industrie, enfin la société industrielle, la modernité donc produit des richesses, mais elle produit des effets secondaires. Les effets secondaires étaient pour lui les risques écologiques, l'hybridation de l'état social, la modification et de la démocratie. De l'intégration globale et des nouvelles technologies. Mais il a toujours présenté le postulat que cette auto-transformation sont des processus d'adaptation, mais que la production de richesses continue. Donc, il n'a pas encore lié tout cela à l'effet ascenseur. Il disait qu'on n'a pas besoin de s'occuper des classes parce que la modernité réflexive continue à produire et les pauvres comme les riches sont dans le même ascenseur pour vers le haut. Donc, il n'y aura plus de société de classe parce qu'en fait, tout le monde profite de cette production de richesses. Et à partir de ce théorème, j'ai affirmé avec mon analyse que dans les résultats de la modernité, justement cet élément-là, que la vieille modernisation comporte encore et encore un progrès, n'est plus valable. Donc, il y aura certainement encore un progrès pour les top 10 000, enfin pour les supérieurs, mais pas pour tout le monde. Et donc, en bas, à la base, on assistera plutôt à une régression. Et donc, il y a peut-être un paradoxe quand même dans cette modernisation régressive. Et donc, là, je me focalise encore plus sur la théorie critique, Marx Waukheim, par exemple, ou Axel Honneth, Horkheimer et Adorno, par exemple, ils ont parlé de l'électrique de l'éclaircissement, en fait, où la régression et l'avancée, en fait, avancent en même temps. Donc, chez Beck, c'était un mouvement latéral. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, concrètement? Un exemple, je vais citer un exemple. Et donc, nous avons, et ça, c'est une avancée notable sur le marché du travail, dans la société, on a donc assisté à une émancipation forte de la femme. Donc, elles ne sont moins dépendantes aux nourrisseurs, en fait, à l'homme qui nourrit la famille. Elles ont plus de chances, bien qu'il y ait encore des discrépances par rapport aux années 60 ou 50. Le progrès de l'émancipation est énorme. Donc, nous avons une avancée ici, certes, mais l'émancipation de la femme sur le marché du travail a fait qu'il y a plus de femmes, puisqu'elles sont intégrées quand même
dans des familles prennent en charge également le gros du travail ménager et de la maison et donc sont enclins à prendre des jobs de plus en plus précaires. Donc, bien sûr, on en a qui sont dans le top management des entreprises, mais la base, en fait, on a stabilisé la précarité chez les femmes parce qu'elles devaient l'accepter. Et donc, on a un process, un processus d'avancée, mais on a un processus d'augmentation de l'inégalité. Hein? Notamment dû en fait aux salariés, par exemple, issus de l'immigration, qui vont faire le ménage et faire les nounous des enfants, des femmes de classe moyenne. En fait, c'est ce que j'appelle de l'avancée régressive, en fait. Et ça, on a pu le voir également pour les migrants. Donc, une plus grande intégration dans la société pour les élites. Mais au niveau des bas salaires, là où il y a vraiment les gens issus de la migration, là, on a une solidification des structures de classe. Et ce processus produit des tensions énormes dans la société, et ceci a des effets sur cette régression concernant certains groupes et leurs droits. Les néolibéraux diraient peut-être de leurs privilèges. Vous aviez d'abord tout à l'heure abordé l'agenda 2020 et les lois Hartz. Là, c'était vraiment une grande régression des salariats collectifs. Je pense par exemple au chômage et aussi à la protection sociale en cas de chômage. Ceci a été fortement réduit. Les possibilités d'être aidé par l'État ont été soumises à des conditions. On a beaucoup plus contrôlé les gens. Ceci a aussi contribué à une érosion du niveau d'organisation syndicale et à aussi, bien sûr, une forme d'insécurité sur le marché du travail. On l'a considéré comme une contribution. Voilà, on va maintenant rendre l'Allemagne plus compétitive. On va abolir certains privilèges et certains éléments ont été effectivement libéralisés. Je pense, par exemple, quand on parle des accès à certains métiers qu'on a facilités. On peut donc ici parler d'une libéralisation économique et d'une forme d'égalité en abolissant les droits des citoyens au niveau économique. L'émancipation au niveau social pour certains groupes de la société et une désémancipation pour certains salariés dans la société. Donc, je pense qu'il faut comprendre cette notion de cette manière. Merci, merci. Vous soulignez le côté paradoxal et c'est vrai que c'est ce que je trouvais très intéressant, que c'est la modernité régressive, mais tout ne régresse pas. Donc, certaines choses progressent et d'autres régressent. Et vous mettez aussi en garde, je crois, dans votre livre, contre une forme de nostalgie qui nous ferait penser que tout était mieux avant, car l'état social que vous décrivez, qui a duré jusque dans les années 70, n'était pas un état parfait, vous le dites aussi. Il avait un côté paternaliste, l'état et la bureaucratie se mêlaient de beaucoup de choses. Vous mettez en garde, je crois, contre une lecture trop simpliste, trop binaire. Alors, vous dites aussi que votre livre est vraiment une tentative de comprendre comment on en est arrivé là. Par quelles étapes on est arrivé à cette société du déclassement. Alors,
le livre est très complet et vous n'allez pas pouvoir en quelques minutes nous retracer toutes les étapes, mais vous commencez en 1945 donc, et vous nous conduisez jusqu'à l'époque actuelle, et vous décrivez un double mouvement, je crois. Dans le champ économique, on est passé à une société de la post-croissance, c'est ce que vous venez de nous expliquer, votre légère différence de point de vue avec Ulrich Beck. On est passé à une société de la post-croissance, quand exactement, c'est peut-être difficile à dire, et politiquement, démocratiquement, on est passé à une société qui n'est pas une société d'égale participation, qui est une société où certains ont un plus grand privilège de pouvoir, de parole. Et donc, vous dites même qu'on est entré dans des sociétés post-démocratiques ou post-politiques, ou en tout cas, vous faites référence à tous les gens qui développent ces théories de la post-démocratie ou de la post-politique. Alors, si le grand mouvement depuis 1945 est celui-ci, post-croissance, post-démocratie, vous signalez des points pour nous. Alors, la date de 1968 revient souvent dans vos analyses comme un point tournant socialement, mais aussi intellectuellement. Vous dites que c'est à partir de là que se développe une critique artiste de la société, notamment. Et vous parlez aussi beaucoup du tournant de 2008, la crise financière de 2008. Ces deux moments étant sans doute des moments de révélation plus que le moment où ça change, c'est le moment où on comprend que les choses ont changé. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus donc, sur ces grandes étapes chronologiques et sur ces deux moments en particulier? Oui, avec plaisir. Peut-être rapidement en complément. Votre observation est tout à fait correcte. On pourrait dire que dans les temps, tout était meilleur. Je ne dirais jamais ça. Je pense que cette modernisation est une bonne chose. On est confronté aujourd'hui à cette question de la couverture trop courte. On ne peut par exemple pas dire que l'émancipation des femmes est la raison pour certaines difficultés. C'est le problème d'ailleurs que la droite essaye d'illustrer qu'il y a une certaine nostalgie, il faut une certaine restauration de la société des années 50. Et donc c'est un peu contradictoire et ce n'est pas la solution. Et je pense que 1968 est un moment clé si on le regarde, par exemple, du point de vue d'Yves Chapelle. Ce sont deux formes de critique. D'abord, la critique artistique, la critique de l'autorité, de la domination, d'une certaine forme de conformisme aussi, qui a aussi, bien sûr, encadré les salariés. Et ensuite, une critique sociale au niveau des inégalités sociales. Ma thèse, vu Boltanski et Capello, je pense qu'en 1968, les deux éléments se sont rencontrés. Quand 1968, à Paris, il y avait les grèves des salariés. C'était ce moment où les processus de répartition, par exemple, étaient confrontés avec une forme d'anti-autoritarisme. Au cours des années 70, ces deux formes de critique étaient séparées. Beaucoup d'entreprises ont réagi. Capello et Boltanski décrivent, par exemple, qu'ils se sont appropriés cette critique artistique et en même temps, ils ont pu mettre à la marge la critique sociale. On a, par exemple, de plus en plus souligné l'autonomie, l'autoréalisation, l'authenticité. Et ces moments ont donné la possibilité, aussi en face de la critique sociale, de les immuniser. On peut observer ce phénomène dans tous les pays occidentaux. Et dans les années 70, quand on a regardé de nouveau, on a pu constater qu'il restait
uniquement la critique artistique qui a fait une forme de mélange diabolique avec le néolibéralisme. Tout le monde était envolvé dans des projets, toutes les questions de l'autoréalisation, etc. La critique sociale à la marge. Donc, pour moi, c'est vraiment le moment clé post-1968. Un grand rôle a joué l'ancien paradigme sociodémocrate qui a perdu d'impact, de force. Au cours des années 60, il y avait des programmes keynésiens en Allemagne, liés d'ailleurs avec une critique sociale en France. Mitterrand voulait, par exemple, réaliser le socialisme dans les 100 jours. Il a échoué et je pense que au moment où la social-démocratie n'avait plus de perspective pour une transformation de la société, on a gardé uniquement une forme d'étatisme qui est devenue de plus en plus bureaucratique. J'ai d'ailleurs aussi un autre livre sur la SPD allemande et la Labour Party britannique. Et j'ai décrit qu'on a essayé de sauver l'État de prospérité. Et au cours des années 80, on a pu constater que les idées libéraux, en France par exemple, on parle d'un certain libéralisme social. Et à la fin, on a donc eu un chômage très élevé en Allemagne. Et quand on regarde l'autre transition, donc en 2008, je pense que c'est très intéressant parce que là, on se base sur tout ce qu'on voit aujourd'hui. C'est peut-être un peu tôt et beaucoup de monde l'a déjà affirmé, mais selon moi, 2021 sera l'année de la fin du néolibéralisme. On peut l'observer aussi avec le gouvernement de Biden, les investissements dans des infrastructures, le manque d'autorité dans le sens classique de ce terme. Et en 2010, je pense que c'était le point de démarrage avec la crise des dettes en Europe, surtout au sud de l'Europe. En Allemagne, le moment classique donc de la politique allemande, on a dit pendant 10 ans, il n'y a pas d'argent. On a fermé les maternelles, on a fermé les piscines publiques, on a donc vraiment limité les infrastructures publiques. Et ça, c'est d'ailleurs une raison pour le renforcement des populistes de droite. On a dit, voilà, il n'y a pas d'argent. Mais quand la Deutsche Bank était confrontée à une crise et elle a appelé le ministre des Finances, il y avait tout de suite de l'argent. Tout d'un coup, l'État était solvable et capable de mobiliser des ressources. Et en même temps, on a pu observer partout dans le monde, partant de Occupy à New York, des mouvements de protestation qui ont critiqué certaines formes de la post-démocratie avec le slogan « Nous sommes les 90%. » On a thématisé aussi une inégalité économique et sociale. On a dit « Voilà, c'est nous la majorité et la politique agit dans quel intérêt ?» Et je pense donc Angela Merkel disait à cette époque: nous ne pouvons pas faire une politique contre les marchés. Elle a parlé d'une démocratie conforme au marché. Donc, explicitement, elle a déclaré qu'une démocratie doit se plier à la logique de fonctionnement des marchés. Et son action illustre ça. On a en Allemagne actuellement un scandale, Weizsäcker.
Et sous le gouvernement de Merkel, on a pu vraiment observer un clientélisme, la corruption des subventionnements de l'exportation et une forme de dépolitisation. Angela Merkel a consciemment fait des campagnes asymétriques. Elle a essayé de démobiliser ses adversaires en essayant d'éviter des conflits dans le cadre de ses campagnes. Et elle a réussi d'une certaine manière. Je pense donc qu'on peut observer plusieurs moments clés dans les années 70. Ce moment de progression sociale dans les années 80, le néolibéralisme, et dans les années 90, le point culminant. Et maintenant, donc, on peut observer certains mouvements contraires. C'était d'ailleurs la raison pourquoi j'ai écrit ce livre. Je voulais tout simplement comprendre pourquoi des mouvements comme Occupy ou Indignados, je me suis dit, ce n'est pas comme les mouvements sociaux connus des personnes de la classe moyenne. C'était ça ce qu'on avait dans les années 70, c'était des personnes bien formées. Mais là, on a des personnes qui se trouvent dans une précarité économique. Et ça, c'était tout à fait nouveau. Et pour cette raison, j'ai commencé ce livre en fait avec la fin. Alors, mais ces révoltes, alors on a envie de les appeler donc les révoltes du déclassement, et vous avez mentionné Occupy Wall Street, évidemment consécutif à la crise de 2008-2009, où les indignés espagnols. Il y a aussi un chapitre où vous décrivez comment ces mouvements évoluent, mais peut-être qu'on peut déjà tout de suite dire que vous montrez que cette crise qui révèle en fait le fonctionnement du néolibéralisme, qui révèle cette dépolitisation ou cette soumission de la politique au marché, comme vous venez de le décrire dans le cas allemand, elle donne lieu à des révoltes multiformes qui sont difficiles à lire. Et par exemple, si je prends le contexte américain, en même temps que Occupy, on a eu le Tea Party, qu'on pourrait aussi voir comme une forme de révolte contre le sentiment de déclassement, mais qui évidemment nous situe plutôt à droite, là où Occupy nous situe à gauche. Et donc il y a quelque chose de foncièrement ambivalent ou équivoque sur ces mouvements de contestation. On ne sait pas très bien dans quel sens, dans quelle direction ils vont nous emmener, et peut-être je vous reposerai une question là-dessus tout à l'heure, mais je voudrais revenir sur cette notion de déclassement. Vous pensez effectivement qu'il y a une nouvelle structuration en classe sociale, complexe, diversifiée, plurielle. Il y a aujourd'hui le développement de ce qu'on pourrait appeler le précariat. Mais là où autrefois le prolétariat était une notion relativement unifiée, homogène, on pouvait penser que les prolétaires avaient les mêmes intérêts, les mêmes combats, une difficulté du précariat actuel, c'est qu'il est très fragmenté. Nous vivons dans des sociétés très fracturées, des sociétés en archipel, dit le sociologue français Jérôme Fourquet. Donc ce précariat n'a pas la même unité, la même homogénéité qu'avait le prolétariat autrefois. Et il y a quelques pages dans votre livre, c'est pages, je crois, 69-70 dans l'édition française, pour ceux qui l'ont, vous décrivez une usine de production Volkswagen, je crois, où les gens qui travaillent sur ce même site, le même lieu de travail, ont en fait 4 ou 5 employeurs différents, des sociétés de nature très différentes, des contrats de travail très différents, des relations de travail très différentes, des salaires très différents. Et donc, ils coexistent dans ce lieu, mais dans un état de diversification sociale qui rend toute représentation collective très compliquée.
tout combat pour leurs droits très compliqué. Alors, peut-être que je vous pose une question impossible, mais comment est-ce qu'on pourrait décrire cette nouvelle structuration de la société ? Est-ce qu'il y a deux classes, trois classes, quatre classes, cinq classes ? Comment dessiner les sociétés occidentales actuelles ? Oui, combien de classes? Il faut y réfléchir ou il faut s'approcher empiriquement. Je pense que il faudrait peut-être clarifier certaines questions terminologiques. Si on regarde la recherche de mobilité, donc précisément, donc on mesure l'ascenseur social sous la forme des professions. Et si on regarde les professions, on a donc à chaque fois une progression, puisque par exemple, les activités agricoles diminuent. Et parce que l'on ne travaille plus dans l'agriculture, parce que même avec une qualification minimale, on essaye de faire autre chose. Donc, on considère ça comme un progrès. Donc, pour moi, ce qui est important, c'est le rapport entre l'attente de l'avenir, en fait, de l'organisation symbolique des statuts et des possibilités personnelles. Donc là, on arrive aussi à l'exemple de l'usine. Quand on regarde une usine automobile en Allemagne, ces usines, bien évidemment, avaient bien évidemment des différences salariales entre OHQ et les ouvriers non qualifiés, par exemple. Mais dans les années 60, une usine faisait partie d'une convention collective. Et donc, cette convention collective avait couvert tous les collaborateurs en termes de droits égaux sociaux. On était un citoyen de l'usine. Et on a en Allemagne ce qu'on appelle les conseillers d'entreprise, les conseillers d'usine, Betriebsräte, c'est les délégués du personnel en France. Et donc, on avait une certaine uniformisation des relations sociales. Mais depuis, on a assisté à partir des années 80 à un phénomène de fragmentation des entreprises. Dans les années 50, 60, on pouvait donc arriver de la pampa, de la campagne, en tant qu'ouvrier non qualifié, parce que vous n'aviez pas pu faire autre chose. Et on pouvait arriver à l'usine, et donc travailler dur, certainement, mais on pouvait avoir une sécurité relativement importante d'un point de vue social, c'est-à-dire une garantie de travail. On pouvait même espérer à une progression sociale à l'intérieur de l'usine. Bien évidemment, ça ne suffisait pas pour acheter sa villa dans la banlieue, mais ça avait amené un certain confort modeste, une voiture, des vacances à la mer et des économies pour l'avenir des enfants. Et c'est cette attente-là qui a changé très fortement. Et les enfants, donc de ceux qui ont promu des ouvriers, donc ces enfants sont beaucoup plus qualifiés que leurs parents, par exemple, mais quand on regarde que ce que la génération des baby-boomers, mon grand-père était ouvrier à l'usine. Son fils, mon père, a donc fait, en fait, a passé son diplôme d'ingénieur en fait en cours du soir, au CNAM. Et donc, en fait, mon père, année 49, année de naissance 49. Moi, en tant que son fils, moi, j'étais académicien. Et donc, j'ai pu obtenir une chaire maintenant, avec beaucoup, beaucoup de chance. Mais pour beaucoup de gens qui ont une qualification similaire, qui ont fait une meilleure réussite éducative que leurs parents, mais n'ont pas fait le
progrès financier qui va avec. Si, par exemple, les enfants des journalistes travaillent dans la culture, etc., ils gagnent beaucoup moins et ils sont beaucoup plus précaires que leurs parents encore. Donc, on n'a plus la même progression que nos parents. Et cet élément et cet aspect, mes enfants auront une meilleure vie que moi, c'est plus vrai. Et dans les usines, on voit surtout, de par l'agenda 2010, et c'est également une régression, on voit une régression des droits sociaux collectifs. Donc, ce qui a été entamé auparavant, à savoir l'affaiblissement systématique en partie des syndicats, c'était déjà le gouvernement Kohl qui l'avait prôné et favorisé. Et donc, ça s'est exprimé par la libéralisation du marché de travail et la dérégulation du travail intérimaire. Et la possibilité aussi la création donc de ce que les Allemands appellent les mini-jobs, c'est les travaux qui ne sont pas soumis à cotisation. Et donc là, on a créé en Allemagne un secteur de salaire et de travail à bas coût qui représente maintenant jusqu'à 20% des salariés. Et donc, ces gens-là qui sont concernés par ces mini-jobs n'ont pas de salaire qui leur permettrait de vivre décemment pour se loger dans les grandes villes. Donc, ils peuvent peut-être gagner plus en net qu'il y a encore 15 ans en raison de la productivité, mais on ne peut rien faire avec l'argent parce que tout ce qui est standing de vie, frais de vie et d'hébergement ont explosé. Et ce que j'ai vu avec mes analyses d'usine, c'est au niveau donc, d'un constructeur automobile du Sud, en fait, qui avait des usines un petit peu partout, à l'Est, etc., mais qui avait donc un staff permanent à un contrat à durée indéterminée, eh bien, très, très peu doté. En fait, ceux-là, ils avaient tout, bien sûr, tous les droits étaient respectés, 13e mois, etc. Et ensuite, c'est à travers l'usine, il faut vous imaginer qu'il y avait une ligne bleue qui traversait toute l'usine. Et de l'autre côté, il y avait des intérimaires. Des bureaux des usines, des entreprises intérimaires qui avaient donc recruté directement dans l'usine des intérimaires qui n'avaient plus de droits du tout. C'est-à-dire que des gens qui avaient collaboré, qui se passaient des éléments, des composants à travers donc la ligne de production, ils étaient considérés comme capital humain en tant que moyen de production. Hein. On n'est plus embauché par le service des ressources humaines, mais on est sur une liste de frais variables. Hein. Il n'y a plus de perspective là. Pour celui qui veut créer une solide base pour faire vivre sa famille, on est précaire à tout moment. Il y a des gens qui travaillent là-dedans depuis des décennies et doivent vivre avec la situation indigne que, par exemple, leurs collègues aient un accès privilégié à la cantine. Les employés permanents, ils ont leur carte de cantine pour aller, ils peuvent aller partout, en fait. Hein. Les intérimaires n'ont pas cette carte qui fait aussi passe d'accès. Il faut qu'ils demandent à chaque fois, quand ils voient, même pour aller aux toilettes, à quelqu'un d'autre pour ouvrir les portes. Les permanents gagnent bien sûr plus, mais ils ont également les meilleurs prix au niveau de la cantine. Les différences sont partout, 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 jusqu'à l'alimentation. On a même les équipements de protection personnelle, individuelle, des chaussures de moins bonne qualité. S'il manque, en fait, ce n'est pas grave, parce que enfin, c'est un pion qu'on échange. Dans la plupart des grandes usines, le catering, enfin ce qu'on appelle la restauration, le nettoyage, la logistique, tout ça, c'est externalisé.
il y a juste un tout petit noyau haute sécurité avec certains autres noyaux entourés d'autres noyaux d'insécurité, de précarité. Et ça, je le considère comme une régression sociale. C'est pas uniquement un trait de développement des salaires, mais quel est le rapport entre le statut, la sécurité, le standing de vie et de droits sociaux. Et je vois dans ma société qu'il y a des richesses qui sont accumulées et des possibilités d'épanouissement qui sont inouïes, mais que je vois également une forme de régression, mais également de décadence qu'on se paye en fait le fait de produire un groupe systématiquement exclu de cette richesse produite. Oui, à propos de cette insécurité donc, qui est partout, enfin, des inégalités, des injustices qui se creusent, qui sont très visibles au point du scandale, comme quand vous expliquez là, dans cette usine, pas le droit d'accéder aux toilettes. Donc vous dites que ce qui a disparu, c'est l'idée qu'il y a des conditions normales de travail. Il n'y a plus de conditions normales de travail parce qu'il y a une variété de conditions de travail possibles. Donc il n'y a plus de référence de moule unique. Je crois que vous expliquez aussi que c'est d'autant, enfin, donc qu'il est question à la fois de redistribution et de reconnaissance dans cette terminologie devenue classique. On n'a pas besoin de choisir un combat plutôt que l'autre, c'est un double combat de redistribution des richesses et de reconnaissance sociale. Et vous dites aussi que c'est rendu d'autant plus difficile à supporter qu'il y a ce discours du mérite, de la méritocratie. Qui justifie les inégalités. L'idée que dans le fond, tout le monde avait les mêmes chances au départ et que si certains arrivent en haut de l'échelle sociale et d'autres non, ça doit être parce qu'ils ont travaillé plus dur, parce qu'ils se sont donné plus de mal. Peut-être un petit mot rapide sur cette tyrannie du mérite et puis je vous poserai une dernière question sur les gilets jaunes. Je vois qu'on a beaucoup de questions déjà dans le chat, alors je ne veux pas... profiter de ma position, on donnera la parole à nos intervenants dans une dizaine de minutes. Merci, oui, avec plaisir. Donc, la tyrannie de la méritocratie. C'est vraiment une caractéristique fondamentale de notre société. En Allemagne, comme dans tous les pays occidentaux, on a donc une très grande expansion du système éducatif. Même pour les gens des classes inférieures, une formation officielle est possible, mais Pierre Bourdieu nous l'a déjà dit, que les meilleurs jobs sont en fait conditionnés et structurés par l'habitus des classes. Et donc vient s'ajouter à cela, à mon avis, c'est dans la sociologie de l'éducation, si tout le monde se met sur la pointe des pieds, personne ne voit mieux. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de gens avec une grande ou une qualification supérieure, mais le nombre de jobs n'a pas suivi. Et donc, il y a plus de supérieurement qualifiés qui vont postuler sur un marché du travail qui n'est pas à la hauteur. Et donc, c'est là, on a les facteurs soft, par exemple, le capital culturel et social, qui fera la différence. Pour beaucoup de gens, on atteint un état de fait que l'éducation et la qualification sont nécessaires, c'est-à-dire le vieux modèle, je vais à l'usine et je vais pouvoir y travailler dur, mais je vais gagner ma vie, ça n'est plus possible, ça n'existe plus. C'est-à-dire que en fait, c'est un escalateur qui va vers le bas. En fait, pour maintenir son statut dans cette société, on a besoin à minima d'une qualification. Mais la qualification, celle, n'est pas une solution.
Pour beaucoup, la société est une société méritocratique qui nous dit ben, il faut apprendre toute la vie. Mais ça n'est pas possible pour tout le monde en raison des charges qui nous incombent. Si on travaille à l'hôpital ou à l'usine, on arrive très fatigué le soir. On n'a pas l'attitude et la latitude de faire une cours de langue. Et donc, beaucoup de gens, même de la classe moyenne, des classes moyennes, pour ne pas descendre, la plupart ne le font pas, mais qui sont dans un système où ils ne peuvent plus progresser à force de leur labeur vers le haut, ils ont besoin de mettre beaucoup d'énergie au fait que de se maintenir au même niveau. Je ne sais pas si vous connaissez les escalators. Quand on est petit, on essaye de remonter un escalator vers le bas en montant. Hein. On y arrive une fois, hein. Mais imaginez-vous ça toute la vie, où on a la perception d'être toujours dans la roue du hamster, sur cet escalator descendant, pour être compétitif, pour être beau, pour être intelligent, pour être de bonne humeur. C'est-à-dire pour une bonne partie des gens, c'est-à-dire les couches moyennes supérieures, et cette couche sociétale qui couvre les informaticiens, les physiciens, les chimistes, ou alors qui appartiennent aux élites politiques, bien sûr, l'escalateur monte. Hein. Et donc ensuite, il y a une autre séparation de classe qui va donc avoir attrait aux privilèges et donc aux exigences différenciées, aux privilèges et au statut. Et c'est, à mon sens, c'est pour ça qu'on a donc ces tensions-là exacerbées. Merci beaucoup. Alors, vous nous avez déjà parlé un petit peu des mouvements de contestation, évidemment, donc la situation qui devient intenable, les tensions qui montent. Donc, dans votre livre, vous parlez beaucoup d'Occupy, également donc des indignés, puis de Podemos. Je l'ai dit, vous parlez beaucoup aussi de Pegida. En Allemagne et aujourd'hui de l'AFD. Alors, votre livre, vous l'avez écrit en 2016, et puis ensuite il y a une postface sur l'évolution de la situation politique en Allemagne qui date plutôt de 2020, je pense. Mais en tout cas, vous aviez terminé votre livre avant le mouvement des Gilets jaunes qui a éclaté en France à l'hiver 2017. Et pourtant, moi, en lisant votre livre, en tant que lectrice française aussi, je pensais au mouvement des Gilets jaunes sans arrêt, c'est-à-dire que le mouvement des Gilets jaunes qu'on a eu, y compris dans ses ambiguïtés, un mouvement qui tient à la fois de la contestation démocratique devant une situation scandaleuse, inacceptable, etc., mais qu'on sent aussi peut-être travaillé par des tentations autoritaires. Et vous parlez dans votre livre de cette disposition autoritaire des foules. Alors, je veux bien vous demander d'écrire le chapitre que vous n'avez pas pu écrire sur les Gilets jaunes en France. Moi, j'ai eu le sentiment qu'ils étaient l'illustration parfaite de votre thèse. Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez ? Oui, je dois dire. Je connais un petit peu la société française et la politique française, mais pas bien évidemment aussi bien que de mon côté allemand. Bien évidemment, je vais prendre le risque de répondre, mais vous me passerez mon ignorance. Mais ce que j'ai voulu montrer, c'est que je suppute que le conflit social change. Donc, j'ai parlé d'un désordre normatif. On l'a vu chez Occupy. À l'époque, on avait une très, très grande distance par rapport aux partis politiques, mais également par rapport à l'approche d'un lien entre soi.
On était anti-institutionnaliste. Occupy a été un échec. On leur a offert une voiture et on ne pouvait pas tomber d'accord qui va le conduire, qui garde les clés, qui l'assure. Enfin, ce n'était tout simplement pas possible. Et ces mouvements avaient non seulement une grande distance par rapport à la politique, mais également par rapport à la société civile classique et ses mouvements et organisations que nous identifions souvent avec la gauche, par exemple les syndicats, le mouvement écologiste. On avait des dénominateurs communs, mais toute forme d'organisation était refusée par Occupy. C'était problématique. Et on avait explicitement, en fait, on s'était défini explicitement comme un mouvement au-delà de gauche et de droite, bien et surtout parce qu'on était déçus par tout ce qui était proposé par les Verts, les Gauches et la droite. Et cette crise de la représentation que la gauche institutionnalisée n'avait plus de prise là-dessus et avait donc abandonné également son approche anti-establishment qui était notable quand même avant. Donc ça avait amené une situation de conflit dangereux, à savoir que les protestations sont beaucoup plus volatiles, même post-démocratiques. Quand je parle de post-démocratique, je parle de mouvements qui partent d'une démocratie de base, mais les institutions de la démocratie parlementaire ont été refusées. Ce n'est pas toujours progressif. Et l'élément de disintermédiatisation peut être aussi très réactionnaire. Et je pense qu'on pouvait le voir Occupy, un mouvement très à gauche. Et ensuite, on avait aussi, avec la crise en Ukraine, ce mouvement des manifestations du lundi. Et là, il n'y avait plus le parti de gauche. Il y avait donc beaucoup de personnes très jeunes qui étaient tout à fait nouveaux dans la politique, mais il y avait aussi tout ce qui était donc des adhérents de théories de conspiration, etc. Et là, les partis ont dit non, non, je n'y participe pas, je ne veux rien à faire avec ces mouvements. Quand on parle des Gilets jaunes, je pense que d'une certaine manière, ils sont aussi un résultat de la crise de la représentation, parce que Macron, si j'ai bien compris, a plus ou moins détruit l'ancien système des partis. Le Parti socialiste n'existe presque plus en France. Mélenchon est relativement faible par rapport à ses possibilités. L'UMP, donc le parti conservateur, donc il a créé une forme de bonapartisme et il a utilisé les faiblesses du système pour faire son chemin. Et il n'y avait plus de canaux. Et je trouve que c'est vraiment très intéressant. C'était aussi une menace réelle pour la classe moyenne, pour cette classe moyenne en France qui est aussi très importante en Allemagne. C'est une classe moyenne qui n'est pas toujours progressive, mais qui voudrait avoir une vie digne. Ils veulent avoir leur voiture. Ils ont besoin d'une voiture pour aller au travail. Et je pense que quand il y avait cette augmentation au niveau des prix de carburant, c'était le déclencheur. C'était donc le mouvement d'une classe moyenne qui s'est sentie abandonnée par les élites. Et quand je pense par exemple à Macron, qui aspire plutôt une forme de néolibéralisme, il est
Un produit, d'ailleurs, ce que j'appelle de la modernité régressive, il n'est pas un réactionnaire, mais au niveau économique, il a donc cette forme de modernité régressive. Et les Gilets jaunes ont senti qu'ils n'ont pas de représentativité. Si j'ai bien observé, je pense qu'ils étaient un peu comme un navire et il y avait un moment où on pensait qu'ils vont peut-être pencher vers la droite et ensuite ils se sont quand même révélés un peu plus progressistes. C'était pour moi d'ailleurs un signe plutôt positif, c'est un signe menaçant parce que ces mouvements ont une critique très forte de l'establishment et pour cette raison, ils sont aussi d'ailleurs très ouverts envers les droites, mais je pense qu'on peut les gagner aussi pour mener une politique progressive. Je ne connais pas actuellement l'état des Gilets jaunes en Allemagne, quelle est leur évolution en France, mais ma perception était qu'il s'agit d'une de ces mouvements d'aliénation anti-establishment. On peut l'observer aussi en Allemagne, par exemple, avec les protestations contre les mesures du COVID-19. Il y avait des caractéristiques qui ressemblent à ce qu'on a pu observer aussi avec les Gilets jaunes. Quand on visite, par exemple, mes beaux-parents, on traverse à chaque fois la France et surtout la Provence de la France. Et à la fin du voyage, j'observe qu'il y a énormément de points ronds en France, donc au niveau de la circulation. Et quand la dernière fois, j'ai donc traversé les 200 points rond. Donc, j'ai bien compris pourquoi les Gilets jaunes se sont retrouvés à ces endroits-là. Parce qu'en France, la démocratie, elle est un peu vidée comme ces places publiques. On trouve dans ces ronds-points partout, il y a une liaison qui traverse toute la France. Et c'est là peut-être où les gens peuvent se rencontrer encore. Et c'est peut-être le point où la classe moyenne peut se retrouver, parce que ce sont d'ailleurs les nœuds de circulation qui leur permettent d'aller au travail. Pierre Rosa-Vallant parlait toujours de l'égalité démocratique des relations. Et ces mouvements, dans une forme anti-establishment, sans qu'on puisse comprendre si ces mouvements sont progressistes, parce que leur réponse est quelquefois, si on continue à déclasser ceux qui sont un peu plus à l'écart que nous, on pourra peut-être rester à l'intérieur du système. Ça veut dire qu'il y a toujours une certaine ouverture aussi vers la droite dans ces mouvements. Merci. J'espère que j'étais claire avec mes explications. Merci beaucoup. Je crois que vous avez été très claire et que votre connaissance de la société française est plus fine que vous ne dites. Je crois que vous avez raison sur plusieurs points, que les Gilets jaunes ont commencé par des revendications économiques, mais ensuite ça a glissé de nouveau vers des revendications plus démocratiques avec l'histoire du référendum d'initiative populaire. Donc il y avait cette espèce d'indétermination, de balancement dans le mouvement, comme vous dites. C'est aussi des mouvements qui ont repris le slogan « ni de gauche, ni de droite », donc répondant au « ni de gauche, ni de droite » ou « et de gauche, et de droite » d'Emmanuel Macron. Sur ce point-là, vous avez tout à fait raison. Et juste peut-être un dernier point à signaler. Vous parlez de crise de la représentation. Ça me paraît très juste. Ce n'est pas seulement les institutions de la démocratie représentative, le système parlementaire, le système électoral, etc. On a le sentiment qu'il y a un vrai déficit de représentation dans la société, dans le sens où les gens ne savent plus se représenter où ils se trouvent dans la société. C'est vraiment un problème de lisibilité,
presque de situation dans l'espace, de question de où suis-je finalement, ma position sociale, quelle est-elle ? Parce qu'il y a cette perte de repères dont vous nous parlez, et c'est vrai, cette symbolique très forte des ronds-points qui sont comme un ersatz de place publique, mais un peu angoissant aussi parce qu'on ne fait que tourner en rond. Alors, je vous remercie pour ces éléments d'explication sur votre livre, dont je recommande évidemment la lecture, La société du déclassement, mais je vois que nous avons déjà beaucoup de questions dans le chat. Alors, je vais me faire l'interprète peut-être de certains des participants à ce webinaire pour vous poser les différentes questions. Donc, nous avions d'abord une question de M. Bellicli, qui vous interroge en fait sur le parti Die Linke et sur l'évolution politique ou la traduction politique de tout ça, et qui demande est-ce qu'on a besoin finalement de propositions politiques plus radicales, plus sociales. Est-ce que vous pensez qu'une issue peut être dans une proposition politique moins consensuel, donc plus radical, plus social, j'ajouterais plus écologique aussi, peut-être. Commençons peut-être par cette question, et puis je vais voir si je peux regrouper les suivantes. Oui, merci beaucoup pour cette question. Je pense qu'il est important de poser cette question. Mais j'aimerais quand même remarquer que, selon mon point de vue, que la radicalité dépend énormément du contexte. En Allemagne, on a énormément de milieux ou de groupes politiques radicalisés, mais avec leur radicalisation, ils n'ont pas vraiment beaucoup de succès. En Allemagne, on a, et même c'est un peu contradictoire, on le voit d'ailleurs aussi avec la COVID-19, les gens veulent que les choses changent. C'est pour cette raison d'ailleurs on peut constater un succès énorme des Verts, mais en même temps les gens veulent la stabilité. Et la question est donc comment on peut donc réaliser une certaine stabilité en changeant la société. C'est vrai que pour changer la société, il faut avoir des mesures radicales. Je pense par exemple à la protection du climat, etc. Et si on parle des Linke, je ne sais pas donc si cette question d'avoir des revendications plus radicales ou plutôt avoir des concepts plus clair allant vers un changement social en créant des coalitions, je ne sais pas. Je pense que ça n'existe pas parce qu'il se cache trop derrière un radicalisme verbal. Oui, voilà, on veut le socialisme, mais en même temps, on constate que les mesures des deux gouvernements, ils n'ont pas, par exemple, introduit le SMIC, mais les mesures des deux sont plus larges que ce que la Linke en Allemagne veut vraiment faire. Je pense, par exemple, au New Deal. Je pense donc que des revendications moins radicales dans un autre contexte peuvent avoir leurs effets. Les révolutions ont toujours eu lieu pour la paix. Ce n'était pas vraiment très radical, mais dans le contexte, c'était très important. Donc, vous voyez, j'ai essayé de contourner un peu la réponse à cette question. Merci beaucoup. Alors, vous n'avez que des questions très difficiles, hein, donc j'espère que vous allez y arriver, mais on vous pose des questions très pointues, très difficiles. J'ai une question de M. Pierre Charron, qui reprend cette expression que depuis les années 80,
On est entré dans une période où on mutualise les dettes, donc les jeux en bourse, mais bien sûr aussi la financiarisation de l'économie. Et ici, on repense à la crise des subprimes, au sauvetage des banques. Donc, on a mutualisation des dettes, mais privatisation des profits. En fait, comment expliquez-vous que les choses aient pu se dégrader à ce point? Peut-être aussi le rôle des États-Unis dans cette dégradation, qui ont été vraiment à la tête de ce mouvement. Et est-ce que pour vous, c'est lié au tournant de 89 et au fait qu'il n'y avait plus d'alternative, le désenchantement sur la possibilité du communisme? Est-ce que c'est pour ça que la machine s'est emballée, pour ainsi dire? Je pense que c'est lié au fait que la concurrence des systèmes n'a plus existé après 89. Mais les processus inhérents ont déjà commencé ou avaient déjà commencé. Quand je parlais de la libéralisation de la social-démocratie en Europe, on pouvait l'observer surtout aux États-Unis. Je pense aussi à l'administration de Clinton. Après, par exemple, 1929, il y avait une législation qui interdisait que les banques d'investissement et des affaires de spéculation puissent aller main à la main. Et dans les années 90, c'était plutôt un mouvement double. On a libéralisé l'économie mondiale et dérégulé. Donc d'abord, on a par exemple aboli les barrières de commerce et en même temps, il y avait certains mécanismes de protection qui nous ont justement protégés de la surspéculation. On les a limités de plus en plus. Et c'est pour cette raison, ça venait des États-Unis parce que le contrôle au Wall Street était plus limité et de l'autre côté, il y avait aux États-Unis une certaine forme de l'inflation et aussi une paupérisation des classes populaires parce qu'ils pouvaient s'endetter sur le marché en expansion. Je dirais, nous avons ici, on avait ici un problème avec la démocratie. La majorité des gouvernements démocratiques se sont laissés guider par certains lobbies ou qui ont même écrit certaines lois. C'était souvent d'ailleurs des avocats privés disant pour un bon fonctionnement des marchés financiers, on a besoin des conditions de stimulation. Ça voudrait dire qu'en Allemagne, on disait, voilà, le capital va à Wall Street. Nous aussi, on a besoin des global players, on a besoin d'une certaine ouverture. Et les États ont, à travers d'une concurrence fiscale et d'une libéralisation, ils sont abandonnés et ils se sont retrouvés dans une situation où leurs recettes étaient réduites et leur influence sur les marchés financiers également. Mais là aussi, je dirais, d'ailleurs, je ne suis pas maintenant vraiment un grand fan de Biden, mais j'observe aux États-Unis avec Biden, quand il parle par exemple d'une fiscalité minimum globale, ils mettent donc en œuvre des choses. La France l'a essayé, par exemple, un impôt sur les transactions. Et maintenant, on peut l'observer aux États-Unis avec une fiscalité minimum pour les grands groupes. Et ça, c'est vraiment
le résultat de ce système est la globalisation et les réactions politiques des acteurs politiques qui ont participé ont mené à des décisions politiques de ce genre. Mais c'est réversible, je pense. Là encore, dans le sens d'une modernité régressive, on ne peut pas seulement trouver donc, une solution au niveau des États. On a besoin des solutions globales et globalisées. Et il y en aura certainement. Merci beaucoup. Alors, je vais essayer, dans les 10 minutes qui nous restent, peut-être de regrouper les questions qui restent encore dans le chat, afin que tout le monde ait pu poser sa question. Je crois qu'on peut en synthétiser deux. Donc, j'ai une question de M. Ben Sedik qui demande si, plutôt qu'à du déclassement, on n'aurait pas affaire à du désenchantement, c'est-à-dire que en fait les conditions matérielles d'existence se seraient globalement améliorées, mais ce sont les attentes, les représentations qui donnent ce sentiment de régression. Je crois que vous avez déjà répondu à cette question. C'est effectivement une question de trajectoire plus que de situation objective dans la société. Mais peut-être voudriez-vous nous dire encore un mot là-dessus. Est-ce que c'est du désenchantement plutôt que du déclassement ? Et puis, donc là, vous insistez sur le fait que 2021 sera peut-être une année charnière, un point tournant. Dans votre prochain livre, on pourra parler du sens de 2021. Vous dites d'ailleurs clairement dans ce livre que vous essayez déjà de comprendre comment on en est arrivé là, de faire le bon diagnostic. Ce n'est pas un livre à ce stade pour proposer des solutions, mais peut-être qu'il y aura un autre livre. Et donc, nos deux autres questions, je crois, concernent l'avenir, c'est-à-dire comment ces inégalités... Est-ce que ce mouvement de financiarisation, de mondialisation vous semble réversible ? Vous venez d'amorcer déjà cette question. Et puis aussi sur la crise du coronavirus en particulier, nous avons une participante qui demande si vous pensez que cette crise va changer notre façon de considérer les classes sociales et la fragilité des parcours professionnels. Donc, est-ce que ça pourrait marquer une prise de conscience et un tournant. Donc, je vous propose de répondre à toutes ces questions et puis après, ce sera le moment de conclure notre échange. Donc là, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Je vais essayer. Je pense que le déclassement a à faire avec des attentes en augmentation. Donc, pour les gens, même des classes les plus faibles, d'avoir des vacances non seulement dans le sud de la France, mais ailleurs, en Europe ou ailleurs. Si on doit le faire, ça c'est une autre chose, une autre paire de manches. Mais je vais essayer de donner une réponse sociologique. Ce que le 1% ou le top 10 du pays donc, nous instille comme vision d'une bonne vie, eh bien, ça fait partie en fait, des choses. La régression, en fait, c'est quelque chose, ou le déclassement, c'est quelque chose de régional aussi. 2021, presque tout le monde possède son réfrigérateur. On a un certain standing de base dans les habitations, dans les appartements et les maisons. Donc, le standing de vie d'un précaire ou d'un pauvre est bien plus élevé que le même il y a 50, 60, 70 ans. Mais les différences, en fait, sont énormes et génèrent des frustrations et des déprivations. Par rapport et en comparaison avec le style de vie des classes supérieures. Donc, mais il y a également le fait qu'il ne s'agit pas simplement de biens matériels. Par exemple, l'exemple de Francfort, j'ai vécu beaucoup de temps à Francfort, métropole financière de l'Allemagne, en fait, Manhattan, en fait, du nom du Main, le fleuve qui le traverse, parce qu'on a 7 gratte-ciels. Mais
les loyers sont extrêmement élevés, mais il y a également l'un des aéroports les plus importants du monde. Et ces derniers 20 ans, en fait, il y a beaucoup de quand même, il y a une bonne infrastructure de transport en public, donc le RER existe, mais les collaborateurs de l'aéroport devaient sortir mais de 40, 50 kilomètres. En fait, ce n'est pas simplement d'être déplacé dans une région moins belle, mais ça veut dire ça me prend plus de temps. Je passe plus de temps sur les routes, je paye plus cher, je suis fatigué le soir pour m'occuper de mes enfants, de les aider pendant les devoirs et de m'occuper de mes relations sociales. Et donc, en fait, on dit toujours que les classes inférieures ne font rien pour l'éducation de leurs enfants. Bien évidemment, la femme de ménage qui va faire encore le ménage chez elle, en fait, elle est crevée, tout simplement. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle y fasse ? Et alors, ça fait partie des facteurs d'influence. Et donc, les éléments de classe jouent un rôle prépondérant dans les structures sociales. Et donc, Beck avait dit tout à fait le contraire il y a 30 ans encore. Et c'est en cela qu'on se différencie. Donc, qu'est-ce qui va arriver des marchés financiers ? Je pense que on est dans une situation qui est assez dangereuse. Parce que, en fait, même avant la crise Corona, on a découvert la théorie de Wurmbrand. Et donc, le paradigme est que, en fait, c'est l'austérité de mise parce qu'en raison de notre endettement des années de 70-80. Et donc, actuellement, c'est l'inverse du paradigme parce qu'on dépense à pleine brassée, comme si il n'y avait pas de fin. Et donc, il y a également un changement de forme. En fait, que l'argent provient de l'État, c'est relativement nouveau, mais en fait, ça existait déjà au niveau des subprimes. On a maintenu les taux d'intérêt à quasiment zéro, donc l'argent était peu cher. Et donc, les conséquences, par exemple, sur toutes les métropoles européennes, mais également à Bâle, il y a une inflation massive des biens immobiliers, des prix des biens immobiliers. C'est les valeurs immobilières qui montent parce que les gens des classes moyennes et des investisseurs institutionnels, donc par exemple, la moitié du marché de l'immobilier de Bâle appartient aux différentes caisses de retraite. Donc, il faut qu'ils rénovent, il faut qu'ils augmentent les prix. Donc avec un revenu qui sont en augmentation légère depuis quelques années, en même temps, les prix de l'immobilier ont été quadruplés. Et donc là, on assiste à un développement qui amène son lot de spéculation au niveau de l'immobilier et au niveau du marché des capitaux. Et on assiste à un phénomène de, oui, là où il y a des entreprises qui n'étaient pas en bonne posture, ont des cours de bourse relativement confortables. Et donc, il y aura une purification sur les marchés financiers et immobiliers à Bâle et dans les villes importantes allemandes. On ne peut plus, même avec un revenu confortable, on ne peut plus s'offrir une propriété immobilière. Pour un professeur comme moi, presque impossible. Donc, c'est là que les disparités vont en ciseaux. Et en même temps, les frustrations également. Donc, jusqu'à la fin de la crise Corona, eh bien, ça restera stable, mais après, quand on fera le bilan, les instabilités à prévoir sont importantes. On ne pourra pas y couper de limiter la spéculation financière via l'outil de l'impôt.
afin de les restructurer. Et moi, ce que je trouve très intéressant, l'impôt sur la fortune, en fait, revient sur le tapis. Il ne faut pas oublier, au niveau du New Deal, aux États-Unis, la fiscalisation la plus importante est de 96%. Donc, c'est absurde pour l'Europe. Hein. Donc, au début de Kohl, de l'ère Kohl, en fait, on avait 53%, le taux d'imposition le plus important. Donc, ça, c'était le taux limite. Hein. Ce n'était pas tout le revenu qui était soumis, mais une certaine proportion. Mais je pense que l'État va assister à une renaissance qui sera importante et Thomas Piketty l'a intellectuellement préparé déjà. On va avoir un mélange entre la régulation des marchés de capitaux et une nouvelle politique fiscale. Et donc la société après Corona, bien, ça c'est très difficile à répondre. Là aussi, on a quelque chose d'extrêmement paradoxe. En Allemagne, par exemple, ce n'est pas une monographie, mais c'est un livre que j'édite qui s'oriente donc selon Pierre Bourdieu, La misère du monde. Et donc, on parle donc des supports de la société, en fait, ceux qui produisent, en fait, les petites mains, en fait, ce n'est pas les top managers, hein. Ce sont qui travaillent à l'hôpital, derrière la caisse, etc. Et eux, ils n'ont rien reçu, hein, peut-être un bonus mini-mini et quelques applaudissements à 8 heures le soir aux fenêtres et aux balcons. On peut voir, on peut assister que la pression psychique et physique augmente, que la pression du travail augmente et on peut voir également que financièrement, ils sont moins bien lotis. Par exemple, les gens précaires, en fait, les gens qui travaillent dans les supermarchés, qui avaient des contrats horaires, hein, des jobs hyper précaires, des gens qui travaillent dans la restauration. En fait, eux, ils s'en sortiront mal de la pandémie. Les autres, la classe moyenne, eh bien, elle dépense moins, forcément. Et donc, elle s'en sortira mieux. En fait, la pandémie est un catalyseur des inégalités. Ça, c'est très certainement vrai. Mais la pandémie elle-même est inégale. On a des nouvelles données de Cologne. Donc, dans les quartiers les plus pauvres, l'incidence se situait autour de plus de 300 et dans les quartiers des villas, à zéro. Ça veut dire tout simplement que là où les gens doivent aller à l'usine, quand ils nettoient les immeubles, quand ils arrivent dans des centres d'emballage ou alors sur des chaînes de boucherie industrielle, c'est là. C'est là qu'on transmet le virus. Et alors, quand on est en exiguïté dans des appartements de toute petite taille et pas dans un grand jardin autour de la villa et sur la terrasse. Donc, la pandémie aura des conséquences sur les classes. Et c'est pourquoi on arrive à avoir des premières demandes après la fin du lockdown. Donc, qui sont incompréhensibles pour les classes supérieures, en fait, qui se sentent limitées dans leur liberté économique, sans plus, parce qu'ils ne sont même pas confrontés aux situations pandémiques ou dangereuses. Et donc, d'un côté plus positif, peut-être, on aurait au moins la possibilité, je pense qu'en Allemagne, chez beaucoup de gens, on a augmenté les connaissances sur la dépendance et l'interdépendance sociétale. Moi, en tant que professeur, j'habite dans un bel appartement, mais moi aussi, je dois constater à un moment donné ou l'autre comment j'arrive à me fournir en nourriture. Les supermarchés, il faut qu'ils ouvrent. Je ne peux plus aller au restaurant. Et j'ai besoin de prendre du take-away, du truc à emporter. Je suis dépendant du système. Et donc, pour beaucoup de gens, ça a amené à une certaine conscience
de l'interdépendance sociétale de leur propre existence par rapport à d'autres. Et donc ça, ça a augmenté. Et in fine, c'est l'acceptation dans le public, dans le grand public, pour des mesures représentant des limitations. En Allemagne, par exemple, la plupart sont pour des mesures plus strictes, parce que la pandémie, ça concerne tout le monde. Et que donc la plupart des gens sont pour les mesures plus strictes, même s'ils savent que c'est très très lourd pour les familles et pour l'individu. Mais ça me remplit d'espoir que au moins les gens comprennent, et donc la plupart se tiennent aux mesures en fait et aux instructions, la conscience que nous sommes interdépendants. Et que ça nous donne aussi la possibilité de transmettre aussi les besoins climatiques et écologiques qui ne vont pas aller sans les limitations. Et donc, c'est ça qui nous amènera également à lutter autrement pour le droit au travail. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de luttes qui arrivent à générer un écho favorable dans la population, parce qu'on est sensibilisé, parce qu'on a vu la situation dans les usines de viande, de boucherie. Et donc, on pourrait découler de nouvelles ressources de pouvoir pour les salariés, parce qu'ils ne sont plus aussi invisibles qu'avant. C'est peut-être pas tout de suite que ça se réalisera, mais ça donnera un petit peu d'espoir dans mon analyse, somme toute un peu gris foncé. Mais je pense qu'il y a également la possibilité de revitaliser une coopération, une vie commune, en fait, solidaire. Il ne faut pas oublier que les années 30, par exemple, il y a beaucoup de mouvements fascistes qui ont vu le jour dans différents pays du monde, mais que c'était également à l'époque de la naissance du New Deal, que là, notamment à Vienne et à Paris, il y avait eu des mouvements socialistes de gauche qui ont été portés et qui ont porté le monde, en fait, hein. Il faut en discuter parce que le capitalisme en tant que forme de société, avec sa vis infinie, ça ne sera plus possible après la pandémie. Les problèmes dans le monde sont trop importants et tout le monde le sait. Et on ne pourra que faire l'ignorant, mais dans ces cas-là, eh bien, faut s'adresser à Freud et pas à la politique ou au travail sur l'avenir. Merci beaucoup Oliver Narvaez. Je crois que vous nous avez donné une très bonne idée de tout ce qu'il y a dans ce livre, mais encore une fois, je recommande à tous nos participants de le lire en français ou en allemand ou en anglais, donc, puisqu'il existe dans ces trois langues au moins, si j'ai bien compris. Et je crois qu'avec votre conclusion, vous nous montrez que ce dont on a vraiment besoin, c'est d'une vision pour l'avenir, qu'on peut la construire à partir d'un diagnostic au moins solide et juste, et c'est bien ce que nous propose votre livre. Alors, un mot encore pour remercier, bien sûr, l'Institut Goethe, la Fondation Heinrich Böll qui ont organisé cette discussion ce soir. Et puis un petit merci spécial pour les deux interprètes qui nous ont permis ce dialogue franco-allemand. Nous étions tout à fait dépendants de vous et nous n'y serions pas arrivés sans vous. Donc merci à Marion Ennis et Martine Lacotte d'avoir assuré l'interprétation simultanée de notre discussion. Oliver Narvaez, j'espère vraiment qu'on aura d'autres occasions d'échanger, de vous publier dans la revue. Et en tout cas, je suis vraiment ravie d'avoir pu découvrir ce livre, La société du déclassement, la contestation à l'ère de la modernité régressive. Merci à tous et bonne soirée.